Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple élu bien dîner. Il nourrit avec la manne. C'est bon de souper avec lui tout le temps, bien dîner. Le maître appelle bien. Reviens dîner, me fêter à la table tout le temps, à nourrir la foule, échange de l'eau, un appel à la famille, viens dîner. Les disciples étaient venus, puis le maître appela. Seigneur, nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 27. Psaume chapitre 27, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Amen. Considère ses promesses, garde-les dans ta vie, tu verras ses mains. Oh oui, considère, oh oui, considère.
ses promesses, garde-les, garde-les dans ta vie. Tu verras ses merveilles. Gloire te soit rendue, notre Père, pour cette grâce et ce privilège que nous avons encore devant ta face en ce jour, Père. Oh Dieu, nous pouvons véritablement nous écrier comme en ces temps-là, Ézéchiel vous écrier, Père Tout-Puissant, que les vivants, ce sont ceux-là qui te louent, ô Éternel, notre Dieu. Et nous te remercions vraiment pour le souffle de vie, pour la force aussi, pour la santé, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que tu donnes à ton peuple, mon roi, pour que nous puissions avoir cette grâce encore de pouvoir être dans ces lieux. Et surtout, comme tu l'as aussi vu, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous voulons avoir ces temps dans ta présence, en cherchant ta face, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, en écoutant aussi ta parole, mais en désirant aussi que tu encourages encore davantage parmi nous, Père. Ô Dieu, en guérissant, en délivrant, bien Père Tout-Puissant, en sauvant et en ramenant aussi un peuple vers toi, mon bien-aimé Père Dieu. Nous sommes consacrés à toi, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, Dieu. Nous voulons que ces jours soient des jours bénis, mon bien-aimé Père. Ô Dieu, toi, tu descends aussi parmi nous, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, pour nous consoler, nous fortifier davantage, mon roi, nous témoigner de ta présence, bien-aimé Père Saint-Dieu, afin que nous soyons aussi fortifiés encore dans ce temps, Père. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur. Ô Dieu, nous a donné vraiment une année bien-aimé particulière, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Nous te remercions pour tes offres et tes bienfaits, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, pour ton amour et ta fidélité encore, bien-aimé Père Saint, notre Dieu. Tu nous témoignes que tu es toujours notre même Seigneur. Tu es bien-aimé Dieu, béni, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Sois glorifié encore en cette soirée, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, Dieu, parce que nous voulons vraiment commencer avec toi, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Nous invoquons ton nom, mon bien-aimé Seigneur, que tu viennes, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, et prendre place, Père, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, mon roi. Oh Dieu, tu dis que tu es le Dieu qui pardonne, qui oublie le passé, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Oh Dieu, merci encore pour le présent. Tu es réellement le Dieu vivant, mon bien-aimé Père. Louange et honneur à toi pour les cantiques qui ont été chantés, bien-aimé Père, oh Dieu. Tu as inspiré, tu as conduit encore davantage, mon roi. Oh, tu fais des choses d'une manière particulière, mon Père Saint. Nous voulons suivre que toi seul, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Merci encore pour cet instant, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Nous prions aussi pour tous nos frères et sœurs partout, surtout encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu. Seigneur, tu connais réellement l'état de chacun, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est la flamme encore, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Nous voulons revenir à toi avec un zèle puissant, Seigneur, pour te servir encore davantage, mon roi. Seigneur, c'est cela que nous désirons, bien-aimé Père Tout-Puissant. Tu désires cela pour mon frère et pour ma sœur, bien-aimé Père, oh Dieu. Nous avons besoin pour chacun de nous encore, Père Saint, Dieu, afin que nous puissions être comme toi, tu le veux, Seigneur. Merci pour ton amour et ta bonté pour ce soir, car nous t'avons ainsi prié avec joie. Au nom, Seigneur de Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié et élevé encore aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir. Qu'il vous bénisse tous, vous êtes qui êtes là à présent, et ceux qui sont aussi en connexion aussi. Et c'est toujours une joie pendant des moments comme ça. Ce ne sont pas faciles, mais de pouvoir se retrouver ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux de pouvoir voir ce que Dieu fait dans le cœur de tout un chacun. C'est ce que nous avons aussi de plus important pour nous sur cette terre et nous vivons pour ce que le Seigneur, notre Dieu, attend de nous, afin qu'il puisse faire sa demeure à nous et qu'il puisse réellement aussi prolonger donc ce jour dans chacun de nous. Et nous le remercions de ce que nous avons, cette grâce aussi, ce privilège aussi, de pouvoir avoir une période aussi de réunion comme ceci, malgré les conditions qui sont difficiles. Mais le Seigneur a pourvu que nous puissions vraiment aussi nous retrouver toujours dans sa maison, afin que nous puissions aussi avoir la communion autour de sa parole. Notre désir, comme nous l'avons prié, c'est que le Seigneur agisse encore puissamment. Ce que nous voulons, que notre Dieu puisse vraiment travailler encore dans le cœur, qu'il guérisse, qu'il délivre, qu'il ramène, qu'il fasse ce qu'il sait toujours faire aussi lorsque son peuple est rassemblé. Nous partons avec ce désir effectivement dans notre cœur. C'est pour ça que pendant cette période, nous devons réellement rester aussi à genoux et chercher la face de notre Dieu. Donc nous voulons vraiment terminer cette année-ci toujours avec lui et commencer aussi une nouvelle année avec lui, mais que nous entrons finalement une nouvelle année aussi avec beaucoup de joie, d'allégresse, parce que le Seigneur est avec nous. Si Dieu donc est pour nous et avec nous, qui sera donc contre nous? Nous savons qu'en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ah, que Dieu bénisse ma sœur Christiane. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous avons ce privilège de pouvoir réellement marcher avec celui qui n'a jamais perdu la bataille. Et c'est toujours que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur Tiffany. Nous sommes heureux, nous savons qu'avec lui, nous ferons toujours des exploits. Même si nous voyons que c'est toujours un peu tout sombre, un tout petit peu, mais levez les yeux vers lui. Le soleil est toujours là. Il est toujours présent. Il n'a jamais fait défaut. Sa présence est toujours la même. Nous le remercions vraiment du fin fond de notre cœur de ce que nous soyons arrivés jusqu'à ce jour, afin que nous puissions arriver. Qui pouvait penser aussi avec tout ça?
Mais le Seigneur, notre Dieu, nous a vraiment accordé ce privilège de pouvoir être dans sa présence. Nous avons aussi des frères et sœurs qui ont le désir de pouvoir aussi se joindre aussi. Nous nous prions que Dieu les bénisse et les garde. Vous savez, avec toutes ces conditions aussi aujourd'hui, de pouvoir simplement avoir 15 personnes, comme vous le savez. Mais nous prions notre Dieu qui nous aide effectivement aussi pour qu'il y ait encore effectivement qu'on élargisse pour que nous puissions avoir aussi la possibilité de pouvoir aussi accueillir. C'est toujours avec beaucoup de joie d'accueillir des frères et sœurs qui désirent effectivement aussi écouter la parole de Dieu et surtout avoir cette communion autour de la parole. Ce sont des moments où nous devons mettre à profit effectivement, surtout pour nous-mêmes aussi, chacun de nous, pour que le Seigneur puisse vraiment davantage encore récurer, travailler et remplir aussi effectivement aussi notre cœur, notre âme. Vous savez, notre objectif, c'est que le Seigneur puisse avoir la pleine autorité dans chacun de nous, qu'il puisse réellement aussi dominer profondément et parfaitement, qu'il prenne davantage le contrôle parce que il nous a créé pour que nous puissions aussi lui être soumis aussi. Il nous a créé pour que nous puissions davantage avoir la communion avec lui. Et là où il est, c'est là aussi que nous, nous voulons aussi être aussi et qu'il puisse réellement aussi nous accorder encore ce soutien et ce secours. Nous en allons passer pendant cette période ici jusque, je pense, le 31 parce que c'est bien la veille du premier, mais nous remercions Dieu de pouvoir nous accorder aussi, et je crois qu'on vous a déjà dit effectivement pour les horaires, effectivement, afin que chacun de nous comprenne qu'il nous est nécessaire de pouvoir quand même être un peu plus tôt pour que nous puissions permettre à ceux qui sont un peu habitants de loin, qui puissent aussi avoir l'occasion de pouvoir aussi, et puis aussi pour nous-mêmes aussi, hein, avoir aussi un tout petit peu un temps aussi autour de la parole pour ne pas toujours être un peu plus pressé, parce que nous voulons vraiment que le Seigneur nous aide en ce que nos yeux puissent davantage s'ouvrir aussi pour que nous puissions aussi savoir ce qu'il va advenir, est-ce qu'il en est, et ce qui va se passer aussi, comme nous l'avons toujours dit, effectivement, nous n'avons pas besoin de journaux, nous avons besoin de la parole de Dieu pour davantage nous éclairer, afin que nous puissions aussi avancer avec un pas ferme dans les choses que le Seigneur, notre Dieu, comme il l'a dit tout à l'heure dans le psaume que nous avons donc entendu ici, verset 3, il dit, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Et c'est cela, mon frère et ma sœur, de qui donc aurions-nous donc peur? Parce que nous savons que l'Éternel, notre Dieu, il veille certainement sur ceux qui sont à lui. Et comme nous savons aussi qu'il a eu à pouvoir faire une déclaration tellement si forte qu'ils sont donc gravés dans ma main, effectivement, nul ne les ravira de ma main. Et quand je les appelle, effectivement, chacun ne peut pas faire de fou. J'aime notre Dieu. Même quand tu es descendu dans la tombe, effectivement, il t'appelle par ton nom, tu viendras. Il a prouvé cela en appelant Lazare par son nom. Lazare est sorti. Nous remercions notre Dieu qui nous, déjà nous rassure effectivement parce que ce qu'il a fait déjà dans les Saintes Écritures, lorsqu'il était effectivement sur la terre, afin que nous puissions avoir l'assurance qu'il n'y a aucune chose qui soit impossible. Et c'est vrai que lorsque nous pouvons penser quand même quelque part, l'humain qui montrait effectivement, qui se dirait effectivement que ce sont des histoires, qui sont pas, c'est pas possible que Dieu... Mais en fait, on a des témoignages tellement vrais. Un homme qui est mort pendant 4 jours, il est déjà pourri en fait. Et tout le monde sait qu'effectivement... Vous savez, Lazare, c'est quand même un témoignage exceptionnel. 4 jours, mort, effectivement. Et dans ces jours, effectivement, là, il était déjà complètement pourri et il n'y avait rien. Mais il vient, il dit, ôtez la pierre. En tout cas, il faut être courageux. Et c'est vrai, moi, je ne le ferai pas. 4 jours, la personne est complètement pourrie. Vous savez qu'il n'y a plus d'espoir, effectivement. Et puis il dit, ôtez la pierre. On lui dit encore, effectivement, pour quand même le faire trembler. Il dit, mais il sent déjà. C'est pour le faire comprendre qu'ici, il n'y a rien à espérer. Parce que si quelqu'un, si le corps sent, les autres pourris, décomposés, les vers qui nous détruisent sont déjà en nous, en fait. On ne va pas venir à l'extérieur, c'est déjà en nous. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Les vers qui vont commencer à pouvoir ronger à l'intérieur sont déjà là. C'est ça le corps que nous avons. Alors, et on lui dit cela, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu. C'est pour nous aussi qu'il a parlé. Amen. Il met le point sur la foi dans ce qu'il a dit. Parce qu'il dit, je te l'ai dit, toi, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, effectivement, je n'ai pas oublié, si toi, tu crois réellement à cela, et tu vas la voir.
Et c'est pour ça qu'il dit, ôtez la pierre. Et quand on a ôté la pierre, je suis sûr et certain, je peux me tromper, mais personne parmi tous ceux qui étaient là ne pouvait s'attendre que ce jour-là, Lazare allait sortir. Non. Ils avaient tous une foi jusqu'à... Bien sûr. Vous remarquerez très bien, je crois que c'est, ça doit être Marthe ou Marie qui est arrivée avant. Ah oui, qui a dit que, oh, si tu eusses été ici, avec autant d'amour, vous connaissez cela, non? Nous aimons cette soeur. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Il dit, mais maintenant même. Amen. Il dit bien, c'est celle qui l'a dit cela. Maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. On doit quand même réfléchir à ce que nous disons au Seigneur. C'est vrai, parce que tu m'as dit que maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est que non, c'est vrai, hein. Mais regardez, le Seigneur dit, mais ton frère, là, il ressuscitera. Tu m'as dit que toi, maintenant même. Donc j'ai dit, il va ressusciter. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Oh, je sais. Tu sais, oui. Mais il ressuscitera au dernier jour. Oh, mais tu as dit que maintenant même. Vous voyez, mon frère, ma soeur, notre problème avec notre foi quand nous approchons de Dieu. Parce que c'est toi qui as dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, tu l'as dit. Mais maintenant, je vais te dire que tu m'as dit cela, non? Voilà ce que je vais faire. Ton frère va ressusciter. Et toi, maintenant, tu l'envoies dans le futur. C'est qu'il va ressusciter quand? Au dernier jour, ça je crois. Parce que là, c'est sûr, ma foi est ferme. Là, tout le monde va ressusciter au dernier jour. Mais maintenant, parce que bon, il est déjà mort de toute façon. Parce que ça fait, c'est déjà 4 jours passés. Et puis, contre toute attente, effectivement, celui du Seigneur lui dit, mais dis-le, moi ici. Gloire à Dieu. Amen. Je suis. Oui. Je sais que tu es fidèle. Non. Je suis la résurrection et la vie. Et puis, il le regarde, et puis, maintenant, il veut maintenant le faire rentrer dans une dimension. Il dit, c'est lui qui croit en moi. Amen. Là, il le fait rentrer dans quelque chose qu'il n'aurait jamais pu, qu'il n'aurait pensé, ni même arrivé à pouvoir même dire que ça pouvait entendre cette oreille. Mais c'est vrai. Vous savez, mon frère et ma soeur, c'est que dans les moments les plus difficiles que toi et moi nous passons, c'est dans ces moments-là aussi que le Seigneur vient nous instruire. Il faut qu'on fasse très attention, parce que jamais une épreuve ne vient pour que ça puisse passer. Mais dis, bon, j'ai eu l'épreuve, j'ai passé. Non, parce qu'au travers de l'épreuve, n'oubliez jamais cela, Dieu doit vraiment t'instruire. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Donc tu dois quand même dire, mais pourquoi Dieu me fait passer par cette épreuve? Qu'est-ce qu'il attend de moi et qu'est-ce qu'il veut que je puisse apprendre? Jamais tu ne pourras passer par une épreuve pour rien. Donc ça, c'est quelque chose que toi et moi, dans notre vie, en tant que fils et filles de Dieu, on doit vraiment savoir. C'est pour ça que ça ne sert à rien. Pendant l'épreuve, ne murmure pas. Mais regarde, pose la question. Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux réellement m'apprendre? En fait, peut-être, ma foi, moi, toujours est faible, effectivement. Mais est-ce que par ceci, tu veux que j'apprenne, effectivement, à pouvoir faire confiance en toi, mais en se basant sur quoi? Est-ce que vous comprenez? C'est important, cela. Et c'est ce moment-là qu'effectivement, elle apprend que de la bouche du Seigneur, qui dit, mais il dit, je suis la résurrection et la vie. Et puis il dit, c'est lui qui croit en moi. On va le lire avec vous, je crois que c'est dans Jean chapitre 12, je pense, non hein? Jean chapitre 12, regardez. Jean chapitre 12, et c'est cela, oui. Oh, mais c'est cela, je ne sais pas si. Donc, voilà. Mm-hmm. Ah oui, je pense que c'est cela, oui. Voilà, c'est que je... Voilà. Et non, oh, chapitre 11, pardon. Voilà, Gisaka. Et voilà. Non, Gisaka. Verset 17, il dit, Jésus étant donc arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient donc venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie s'était née assise donc à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Quelle foi dans un homme de Dieu, frère. Mais c'est la vérité. Vous savez que ce qui guérit aussi quelqu'un, c'est sa foi. Si tu te présentes devant quelqu'un qui doit prier pour toi, tu n'as pas confiance dans cette personne, ça ne vous servira à rien.
C'est qu'il faut absolument avoir confiance. Vous savez, quand on dit avoir confiance, avoir la certitude qu'effectivement, que si cet acte est posé sur moi, c'est cela aussi notre problème que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Il faut que nous puissions comprendre que le Seigneur ne peut jamais refuser de voir te guérir. Jamais. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Oui. Peut-être que vous pouvez me dire que oui, frère, il peut refuser. Il ne refuse pas. Parce que l'Écriture te dit déjà que par ses maîtrisures, tu as déjà reçu la guérison. Amen. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, mais nous comprenons aussi qu'effectivement que ta guérison, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alléluia. Non, non. Depuis, le Seigneur t'a déjà guéri. Mais c'est à toi de pouvoir t'approcher de la manière qu'il faut pour prendre ce qui est à toi. Parce que le Seigneur, il est mort, il a payé, il a été flagellé pour toi, donc, par ses maîtrises, donc, toi et moi, nous avons reçu donc la guérison. Ça veut dire que quand toi, tu t'avances, effectivement, pour que, on prie pour toi, tu as confiance, effectivement, qu'on puisse prier pour toi, il faut d'abord avoir confiance de la personne. Parce que si cette personne prie pour moi, vous vous souvenez, et puis nous allons continuer ici dans Sainte Écriture, vous vous souvenez de ce centenaire romain, en fait. Et qui a voulu, effectivement, d'abord il a envoyé les gens parce qu'il n'était pas digne, effectivement, puisqu'il sentait qu'il n'était pas de ceux-là, de ces groupes, effectivement, mais, et puis il envoie depuis les gens, honnêtement, effectivement, que cet homme qui a fait beaucoup de choses pour nous, effectivement, et que son fils, effectivement. Et puis quand le Seigneur dit, bon, je vais aller maintenant pour pouvoir, il veut qu'on puisse prier pour son serviteur. Lorsque le Seigneur s'est mis en route pour aller, cet homme dit, oh, 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 je ne suis pas digne que toi ici, tu entres dans ma maison. Vous remarquez très bien que cet homme a eu à pouvoir dire une parole au Seigneur et dit, mais je ne suis pas digne que tu es dans ma maison. Mais si toi, tu dis simplement un mot, ce qui veut dire qu'il avait confiance dans l'autorité que cet homme-là avait. Il dit, dis simplement un mot. Si tu dis simplement un mot, je suis sûr et certain que mon serviteur sera guéri. Ça a touché le Seigneur, vous vous souvenez? Et puis le Seigneur a dit, mais va, ton serviteur est guéri. Alors même, effectivement, son serviteur était guéri. J'ai dit toujours, il y a des frères, j'ai dit, chaque fois qu'on lit les Saintes Écritures, moi, j'apprends toujours. Et oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux, parce que quand nous entendons ici, nous disons, ne fermez jamais le Seigneur dans une bouteille. Jamais, jamais. Regardez, pour que nous prions pour les malades, il faut qu'ils avancent, qu'on puisse imposer les mains. Mais là, il était debout. Les serviteurs en question, ils étaient loin. Il dit, va ton serviteur, à l'heure même, les serviteurs étaient guéris. Ils n'avaient pas besoin qu'on lui impose les mains. Vous voyez la puissance de la foi qu'on peut avoir. Parce que le fait des pouvoirs, ce n'est pas une imagination, mais en fait quelque chose dont vous savez pourquoi vous approchez. Notre problème à nous, pourquoi nous ne sommes pas guéris, nous ne sommes pas aussi délivrés, mais c'est parce qu'effectivement nous n'avons pas de respect pour la personne, nous ne considérons pas, certainement c'est vrai. Oui, mais quand nous avons la considération, je ne parle pas de moi, je vais dire en général, nous avons la considération effectivement pour la personne, parce que si déjà tu n'as pas de respect, la considération pour la personne doit prier pour toi, comment peux-tu recevoir quelque chose de la personne? Parce qu'il n'y a rien de bon que tu peux trouver la personne. Mais certainement, il faut d'abord la considération, c'est sûr et certain. Mais quand on a cette considération effectivement, et qui est comme le Saint-Écriture le montre effectivement, sûr et certain, qu'est-ce qui va se passer? Que quand la personne s'avance, et qu'il dit je suis malade, qu'on prie pour la personne, puisque tu es d'abord la foi, la confiance, quand tu quittes effectivement l'endroit, sûr et certain, tu es guéri. Vous savez, je vais revenir dans la salle. Vous savez, frères et sœurs, c'est important pour nous. Souvent, les gens entendent, c'est pas un peu souvent, les gens entendent qu'effectivement, que voilà, le Seigneur va faire comme ça, ce qu'on a souvent entendu. Il va faire comme ça. Et quand on a prié pour toi, tu vas sentir, ben, tu peux sentir la chaleur. Tu peux sentir quelque chose. Mais il n'a pas dit aussi que chaque fois qu'on priera pour toi, pour ta guérison, tu vas avoir une sensation. Non. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est sûr et certain que quelque chose va se passer en toi. Mais c'est pas que chaque fois qu'on a... Non. Ce qui importe chez toi. Regardez, prenez un exemple, effectivement, que c'est dit lépreux. Ils ont dit, mais si tu veux que je sois pur, je serai pur. Ils ont supplié le Seigneur, effectivement, pour que je sois pur. Ben, il a dit, bon, vous savez ce qu'il a dit, non? Soyez pur, donc ils sont partis. Mais ils n'ont pas dit que quand là, on a senti un courant électrique. Non, ils sont même partis sans, comme ils étaient. Mais c'est en marchant, effectivement, que l'un d'eux se regarde et dit, oh, alléluia, je suis guéri. Est-ce que vous comprenez?
Je suis guéri. Donc il est retourné pour dire merci au Seigneur. Nous sommes partis, effectivement. Donc c'est pour que nous comprenions que nous ne devons pas nous approcher de Dieu avec notre calcul. Oh, parce que frère, tu as prié pour moi, mais je n'ai rien senti. Non, Dieu n'a pas dit qu'il faut d'abord sentir pour avoir la guérison. Est-ce que tu crois? Le problème, c'est toi qui dois croire. Parce que mon frère et ma soeur, quelle est la chose qui soit difficile à Dieu? En rapport avec la maladie ou le problème que tu as, je ne le vois pas. Mais le problème, c'est que, frère, vous vous souvenez, nous parlions l'autre fois ici, je crois que, on parlait effectivement de la manière dont le Seigneur agit aussi, vous vous souvenez, on a les témoignages qui, quand vous pouvez avoir, vous désirez quelque chose, vous avez confiance au Seigneur, vous n'avez pas de moyens, le Seigneur pourvoit. J'ai entendu un témoignage d'un frère qui avait été touché dans son cœur de pouvoir rassembler des orphelins, parce que bon, il n'avait pas parmi tout ça, mais ils avaient dans un endroit qu'il était effectivement, il les gardait. Mais il devait quand même les aider à pouvoir trouver les moyens pour pouvoir manger. Bon, ce jour-là, ils avaient simplement eu du pain, mais il leur manquait du lait. Ah oui, il n'avait pas du lait, parce qu'il s'était de beaucoup d'enfants, il n'avait pas du lait. Et voilà que, et il a prié, Seigneur, il dit, Seigneur, tu m'as donné ces enfants, voilà que je n'ai pas du lait, c'est une chose vraie qui s'est passée. Je n'ai pas du lait, et pour pouvoir acheter du lait pour tous ces enfants-ci, il faut beaucoup de moyens. Mais aujourd'hui, nous avons besoin du lait. Nous avons dressé la table, effectivement, nous attendons que toi, Dieu du ciel, tu nous donnes du lait. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait un laitier, avec son camion, qui roulait et qui partait pour aller faire sa livraison. Et arrivé devant le bâtiment où se trouvait donc l'orphelinat, où le frère avait prié pour que le Seigneur donne le lait ce jour-là, il y a eu crevaison. Donc les camions traversaient du lait, crevaison, pneu crevé. Donc le monsieur descend maintenant pour pouvoir voir, pour pouvoir arriver à pouvoir changer. Il cherchait effectivement ainsi. Eh ben, il a trouvé le moyen de pouvoir trouver quand même la possibilité d'une roue pour changer, mais ça a pris du temps. Donc, d'abord, effectivement, je pense que pour pouvoir arriver à pouvoir changer la roue, il fallait trouver, il fallait descendre un peu les caisses de lait et tout ça. Et puis, après, quand tu auras... C'est les poids, non? C'est bien parce que c'est... Eh bien, pour changer les pneus, vous connaissez, non? On doit d'abord faire de l'estage. Il a fait son délestage. Et où c'est? Devant l'orphelinat. Et il a remplacé les pneus. Et puis, il faut remplacer les pneus. Et puis, il regarde, il dit, ah, puis je suis en retard pour aller partir là-bas, parce que je viens de donner... C'est lait que j'ai ici. Et puis il regarde là, il dit, ah, bâtiment, il y a tout ça. Comme vous faites, il a dit, mais je vais sonner. Amen. Ce que je vous dis, ce n'est pas une histoire. Hein. Il dit, je vais sonner. Et puis il va, il sonne. Il dit, monsieur, ben, il y a clé de oui, vous êtes responsable. Il dit, oui, il dit, mais venez ici. Il dit, mais j'ai eu un problème de crevaison ici. Mais voilà que j'ai déchargé de lait. Bon, j'ai senti dans mon cœur. Vous n'avez pas besoin de lait ici. Il dit, gloire à Dieu. Donc Dieu a exaucé et ils ont eu leur lait. Frère, c'est pour dire que on ne doit pas limiter notre Seigneur dans sa façon de pouvoir faire. Si nous commençons des réunions, nous voulons que Dieu fasse quelque chose. Nous avons des fardeaux de maladie, des fardeaux de ceci et de cela. Nous voulons que Dieu nous fasse sortir, afin que nous puissions être... Mais c'est vrai, frère. Le problème, ce n'est pas le problème de Dieu, le problème, c'est nous. Parce que tous nos problèmes ici, Dieu les a déjà solutionnés, en fait. C'est à nous de devoir nous approcher pour prendre ce que Dieu a dit. Tu l'as dit, toi, maintenant, mais Seigneur, tu es celui qui me guérit. Comme elle a dit aussi, mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça, elle a dit. Toi aussi, tu pries comme ça. Seigneur, j'ai essayé une chose, tu as dit que, ben, tu as dit maintenant que tu es le Seigneur qui me guérit, toutes mes maladies, effectivement. C'est vrai, non? Tu l'as dit. Mais pourquoi tu ne crois pas? Parce que tu lui as dit, vous savez, ce qui plaît à Dieu, c'est pouvoir vous faire du bien. Parce que ce qu'il attend de toi, c'est que... Mais il a dit non, invoque-moi dans ta détresse, je te délivrerai. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu chanteras pour moi. Mais c'est pour ça. Il veut faire cela dans ta propre vie. Mais aussi, il faut que nous comprenions une chose, que notre Dieu est un Père. Vraiment, il est un Père pour chacun de nous. Mais il permet une situation, n'oubliez pas cela. Même des maladies, c'est parce qu'il veut t'instruire. Il y a toujours un enseignement que tu dois tirer quelque part. C'est sûr et certain, tu ne peux pas sortir d'une épreuve et rester comme tu as toujours resté. Non, monsieur, c'est pour ça qu'on dit toujours, mais quand tu as une expérience avec le Seigneur, lorsqu'une situation arrive, ça te permet de pouvoir avoir la force. Mais quand j'étais dans la même situation, il m'a fait sortir. C'est pour ça que c'est très important comme cela. Alors là, nous continuons ici, il dit,
Le verset que nous lisons, il dit, et comme, oh non, ça m'a dit, et lorsque Marthe était appris que Jésus arrivait, donc, elle alla donc au devant de lui, tandis que Marie s'étenant donc assise à la maison, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça, je prie que Dieu nous aide. Oui, et je le crois aussi de tout mon cœur que si nous demandons quelque chose à Dieu, c'est sûr et certain que Dieu entend nos prières et Dieu exauce. Ah, c'est sûr, c'est parce qu'il a dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez aussi s'accomplir. C'est vrai, il n'a pas dit ça aux arbres. Non, il a dit ça aux croyants, donc à toi et aussi à moi. Alors ici, il lui dit effectivement, alors Jésus dit, mais maintenant, je vous ai dit, Dieu te raconte. Puis Jésus lui dit, ton frère à toi ressuscitera. Il n'a pas dit que ton frère ressuscitera au dernier jour. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Puisque tu me l'as dit tout à l'heure. Donc ce qui veut dire, je t'ai dit, oui, tu veux dire que tout ce que tu demanderas à Dieu, c'est pour ça que le Seigneur nous aide à ce que, que l'étincelle s'ouvre en nous, effectivement, quand nous prions, quand nous écoutons, quand nous approchons de Dieu, parce qu'il est vrai, frère. Nous souffrons aussi parce que nous-mêmes, effectivement, nous ne prenons pas les choses de Dieu de la manière qu'il faut le prendre. Prenons, par exemple, le changement de ta propre vie. Comment est-ce que Dieu peut refuser de voir te changer? Nous, c'est parce que, quelque part, toi, tu ne veux pas vraiment être changé. C'est la vérité, frère. Si Dieu qui dit lui-même que voici que je te donnerai un cœur nouveau, il te l'a dit. Et que tu puisses rester toujours avec ce même cœur, c'est pas possible, c'est pas normal. Dieu ne peut pas te refuser les choses qu'il a dit que je te donnerai. Parce que c'est à toi quand même. Nous avons parlé même du Saint-Esprit, mais c'est quand même une promesse pour toi. Je voulais dire mon témoignage. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit dans l'église. Hein. Non, chez nous, à la maison. Dans ma chambre, à coucher, où c'est par terre. Je n'avais pas de prédicateur, je n'avais pas de frère, j'étais tout seul. Je n'avais rien dit à personne. Oui, frère. Quand je sais que la chose est pour moi, mais je la cherche. Je dois la voir, je dois le trouver. Ah, bien sûr que oui. Parce que j'ai besoin. Quand vous avez besoin du travail, mon frère et ma soeur, vous écorchiez. Hein, les annonces et tout ça, les ceci, cela, les appels téléphoniques, ainsi de suite, effectivement. Parce que vous voulez avoir ce travail. Vous donnez tout la peine possible. Vous dites, mais je veux avoir ce travail parce que sans ça, je ne peux pas payer mon loyer. Vous le savez, non? Et puis, finalement, vous avez le travail. Donc, si vous savez être aussi zélé dans les choses comme cela, eh bien, dans les choses qui concernent votre vie, votre âme, vous devez y être aussi. Et puis, quand on est un enfant de Dieu, il ne faut pas demander des choses farfelues à Dieu, ça ne sert à rien. Vous savez, j'ai pensé encore aujourd'hui, Seigneur, c'est quand même fort. Puis quand, vous savez, les situations viennent, hier, tu veux prier pour ça. Et puis quelque chose te dit, mais qu'est-ce que le Seigneur nous a dit en fait? Et oui, je ne sais pas, vous vous souvenez plus, mais moi je me souviens. Il dit, cherchez premièrement quoi? Les royaumes. Et quoi? Ah, ça résout mon problème. Amen. Si ce n'est pas votre cas, je ne vous ai jamais forcé. J'ai dit, mais ça résout mon problème. J'ai dit, Seigneur, alors maintenant je comprends ce que tu veux de moi. Que moi je cherche d'abord les choses qui te concernent pour le royaume de Dieu. Les choses là qui me concernent, moi, tu vas te charger. Alors merci pour le poids que tu as été sur mon cœur. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Prier, lire la parole, glorifier Dieu, prier pour les malades. Si, oui, tout ça. Donc tout ce que Dieu veut de moi que je puisse faire. Maintenant le restant, il va s'occuper. Et puis il m'a donné une parole aussi, vous savez très bien, mais toutes ces choses là vous seront données par... Ok, donc ça veut dire que notre problème, c'est de pouvoir avoir foi dans la parole de Dieu, de croire réellement que ce qu'il nous dit, si nous le croyons, mais ça va s'accomplir en cela. Ah oui, et puis il lui dit, mais ton frère ressuscitera. Nous l'avons lu avec vous ici, il nous a passé sur le verset suivant, on a dit, voilà, verset 23, il dit, mais Jésus lui dit, mais ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera donc à la résurrection au dernier jour. Ça, elle savait. Comme tout un chacun de nous. Et puis, il était sûr et certain aussi parce que son frère était un croyant. Donc, il savait qu'à la résurrection au dernier jour, effectivement, elle n'allait pas rester dans le tombeau. C'est sûr et certain qu'il allait sortir. Et qu'il savait très bien. Et puis, quand elle voyait le Seigneur lui parler, effectivement, eh ben, elle avait l'impression. Pas l'impression, mais je crois qu'elle avait déjà cette certitude que le Seigneur lui parle déjà du futur. Parce que,
Quand nous nous asseyons, frères, et nous regardons, ça c'est important pour vous et moi aussi. Nous louons ce Sauveur de tout notre cœur. Mais il faut que nous remercions Dieu, notre Seigneur. Parce que l'aimer les louer comme nous pouvons l'aimer les louer, frères et sœurs, c'est une grâce extraordinaire. Je vais seulement vous ramener à quelque part. Retournons par exemple en Israël, Jérusalem. Dans ce pays, il y a tout ce qu'on appelle effectivement des prophètes, des ceci, cela qu'on peut voir. Et lui aussi, il était comme l'un d'entre eux. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, on l'appelle le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est donc un prophète. Il faisait aussi, mais comme aussi ceux qui ont fait les miracles dans les temps passés. Ah ben oui, frères et sœurs, mais Élisée, Élie et tout ça, ils ont fait les miracles quand même, non? C'est écrit dans la Bible, ça vous le savez aussi. Ah ben oui, ça c'est sûr et certain. Bon, voilà que un homme qui était là, qui marchait, et qui, on le regardait, il vivait comme tous les autres hommes. Et cet homme-là, vous devez vous approcher de lui et croire en lui en tant que votre Seigneur et votre Dieu. Vous savez, être en ces temps-là et le voir comme il était, oui, parce que il était un homme, hein? Donc, il vivait comme un homme. D'ailleurs, regardez très bien comment effectivement, Simon, quand il l'a invité, effectivement, il l'a regardé avec un regard dédaignant. Il dit, mais s'il était un prophète, il n'aurait même pas permis une femme de voir l'approcher, effectivement. Il s'est laissé. Et puis même, quand il dit, mais votre maître, il est toujours avec des gens, il mange avec des gens, des publicains, il boit avec eux. Ah ben oui, vous connaissez, non, cela. Donc, on voyait comment il était. Et maintenant, arriver à pouvoir croire en lui qu'effectivement qu'il est le Fils de Dieu, donc ça veut dire qu'effectivement que Dieu dans la forme d'un homme, et croire en lui, pourquoi effectivement que tu es, et je crois que c'est, tu es celui qui a été envoyé par Dieu, et je le reçois comme mon sauveur personnel, mon frère et ma soeur. Il fallait la foi. Mais pas n'importe quelle foi en fait. Non. Parce qu'il est difficile de pouvoir croire à un homme jusqu'à un certain degré comme celui-là. Bien sûr, parce qu'il était un homme. Parce que quand on voit un ange, c'est différent. Mais lui, il était un homme, 100%. Bien sûr, c'est pour ça qu'ils avaient difficile de pouvoir réellement pouvoir croire. Mais c'est là qu'on réalise effectivement que c'est la grâce de Dieu et aussi c'est aussi l'élection de Dieu qui fait qu'effectivement que pour croire en ce Jésus, il fallait quelque chose de vraiment puissant dans une personne. Passer la chair et croire, recevoir les corps. Le croire et le recevoir comme étant le Dieu suprême lui-même. Ça, c'est pas donné. La preuve que même aujourd'hui, même ne l'ayant pas vu, regardez d'abord comment c'est pas facile pour vous dans votre intérieur pour le croire, pour le garder, pour le recevoir, effectivement, pour que vous puissiez comprendre effectivement qui il est. Parce que si Christ était réellement celui que vous croyez, je crois que les choses seraient différentes. Pour quelle raison d'abord? Par la guérison. Par la délivrance. Oui, parce que nous approchons de celui dont on sait qu'il a tout pouvoir, parce que je crois en lui. Pourquoi je ne reçois pas la guérison? Parce que je ne crois pas vraiment totalement que... Le diable est très intelligent, hein? Ah ben oui, tu as l'impression que tu crois en fait, mais non, il te fait croire jusqu'à un certain point. Parce que frère et sœur, il a dit lui-même, par ses maîtres sûrs, nous avons accès à la guérison. Donc si on prie pour moi, frère, je ne peux plus m'inquiéter. Je quitte ici, je rentre chez moi à la maison. Même si les bobos continuent à pouvoir passer à quelque part, j'ai dit, mais c'est terminé pour moi. Parce que ce n'est pas non seulement la foi celui qui prie pour toi, mais ta foi à toi. Elle doit agir effectivement dans ce qu'il a dit, effectivement. Si les gens aujourd'hui ne pouvaient pas croire, tu ne crois pas vraiment totalement à lui comme ça, hier tu ne pouvais pas croire à lui. Non, messieurs. Non. Et imaginez effectivement aussi cet état, parce que quand Marthe pouvait lui parler, effectivement, il savait que c'était, lui il était comme un prophète, un sauveur, c'est vrai. Ben oui. Parce que quand on lui a dit que ton frère ressuscitera, il a lancé la chose vers plus loin en disant, mais oui, il ressuscite au dernier jour, effectivement. Mais imaginez que toi, tu aurais fait de mal que c'était Dieu Tout-Puissant là devant toi. Comment tu allais réagir? Supposons que Dieu se tienne devant toi. Comment tu vas réagir? Dans ta situation, dans ton problème, comment tu vas réagir? Vous me direz, oh frère, regardez les gens qui ont vraiment cru au Seigneur, 100% croyant qu'il était capable d'agir dans la fosse au lion. Le trois Hébreux croyants. C'était des hommes, comme vous et moi,
Bien sûr, monsieur. Mais ils avaient confiance que Dieu... Et puis on a dit qu'il est descendu dans la fournaise. Ah oui, il n'était pas loin. Dans la fournaise, il y était là, dans la fournaise. Ah oui, c'est vrai, frère et sœur. Et dans la fosse au lion, évidemment aussi. Il était là, puisque la gueule de lion était donc fermée. Bref, donc, ici, il dit, mais il sort de nos jours. Et là, on lui dit, effectivement, que c'était très bien, il lui fait comprendre, il dit, mais, et verset 25, il dit, Jésus lui dit, je suis, moi ici, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça, c'est pas facile. Mais ça, c'est pas facile d'entendre que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons toujours vu que tous ceux qui ont été des croyants, ils meurent quand même. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas vrai. Donc, les croyants, Paul, il est mort quand même. Pierre, il est mort quand même. Jean, il est mort quand même. Est-ce que vous comprenez? Voilà là où se trouve le problème, en fait. C'est la manière dont nous écoutons ce que le Seigneur dit. Quand il dit effectivement que celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, mais on le sait. Maintenant, on comprend pourquoi. Ah oui, parce que Dieu est merveilleux dans sa façon de faire. Quand on parle de la mort, c'est la séparation totale d'avec Dieu. Est-ce que vous vous souvenez? Nos pères ont mangé la main dans le désert, effectivement, mais ils ont mangé les pains de Jésus, mais en fait, ils sont tous morts. C'est-à-dire que c'est pas totalement de Dieu. Mais nous, en rapport avec quand on parle de la mort, effectivement, nous comprenons qu'effectivement, que jamais on peut mourir. C'est impossible. D'abord, pour que tu ne meurs pas, il faut croire. Oui. Parce que la vie éternelle n'est pas une formule, comme on dit, pradana, non. C'est une chose réelle que tu reçois, mon frère. C'est pour ça que, vous voyez, psaume que nous avons lu, si même une armée campait contre moi, vous savez vous-même que quand même 4-5 policiers devant la tremblote nous saisit, on ne sait plus tellement très bien, on perd même les moyens, on commence à pouvoir parler n'importe quoi. Juste 2-3 policiers. Mais si c'est une armée contre toi, et là, lui, il nous dit effectivement que, regardez bien, je crois que c'est psaume chapitre 27 qu'il nous a lu tout à l'heure. Psaume 27, voilà, ce que nous courons après notre temps pour cela aussi, regardez bien. Psaume 27, il dit, si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Est-ce que vraiment, toi, tu peux dire cela de tout ton cœur? C'est ça le problème. Oui. On peut le lire, effectivement, mais est-ce que tu peux le dire, effectivement, que sûr et certain que je me trouverai devant une armée? Déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, ben, que la combine des polices devant la rue, effectivement, vous interpelle, effectivement, vous perdez déjà votre sens. Hein? Vous commencez à vous poser la question, effectivement, qu'est-ce qui va m'arriver? Que vous voyez 4-5 policiers devant votre maison, effectivement, vous commencez à trembler déjà. C'est sûr. Ben oui, c'est normal, c'est humain, ça. Vous direz, mes frères, est-ce qu'il y a des hommes quand même devant une armée? Mais souvenez-vous d'Élisée. Un homme 100% comme vous et moi, c'était toute l'armée des Syriens qui était entouré. Il cherchait lui le monsieur là, qui était Élisée. Donc le prophète a d'autant. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème avec le roi. Le roi prenait des décisions, lui, il révélait cela au roi d'Israël. Vous connaissez, non? Eh bien, l'armée est venue. Et pendant que l'armée tournait là, parce qu'on cherchait lui, c'est qu'on devait arrêter, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Son serviteur Gehazi, il tremblait. Ah oui, Gehazi tremblait. Et puis, elle lui dit, mais mon Seigneur, voici, ils sont tellement plus nombreux. Il dit, mais Seigneur, mon Dieu, ouvre ses yeux. Amen, amen. Afin qu'ils voient ceux qui sont avec nous. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre, effectivement, que ceux qui sont là à l'extérieur. Pour quelle raison, en fait? C'est parce qu'il avait foi en son Dieu. Et le Seigneur lui a permis de pouvoir avoir confiance quand il a pu avoir... C'est vrai, frère. Nous ne sommes pas seuls, peu importe l'endroit qu'on peut se trouver. On dit toujours, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Le problème pour toi et moi, c'est d'avoir confiance dans les saintes écritures. C'est vrai. On dit donc, que peuvent me faire les hommes? Ça, on cite ça. Mais quand ces hommes vont s'entourer, effectivement, tu perds les nords directement. Il faut que, quand tu es dans une situation, que l'écriture te revienne. Parce que c'est toi qui dois avoir la maîtrise de la situation. Parce que toi, tu ne sais pas la puissance que Dieu t'a donnée. Mais c'est vrai, quand on est venu pour pouvoir l'arrêter,
Vous savez le Seigneur, non? On est venu pouvoir l'arrêter, effectivement. On a fait les sommes avec des bâtons, mais parce que pour pouvoir le trouver, il fallait que Judas puisse au moins l'identifier. Vous connaissez cela? Et puis, il a dit simplement, c'est moi. Le fait qu'il a dit que c'est moi, tous ceux qui là sont tombés par terre. En fait, il y a une situation dans laquelle nous, nous devons comprendre. C'est ce que Dieu a fait de nous et ce que Dieu attend de nous. Parce que nous allons entrer dans ces réunions que nous allons avoir aujourd'hui, demain. Frères et sœurs, ne venons pas simplement pour venir. Parce que tu as besoin de quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. Donc nous venons pour rencontrer le Seigneur, que quand nous avons été avec lui, que toutes ces choses-là nous quittent. La maladie, la possession, les ceci, les problèmes ceci, pendant mon caractère qui ne change pas, que toutes ces choses-là nous quittent. Et pour cela, c'est quitte, effectivement, tu dois avoir confiance. Que Seigneur, quand je viens maintenant, pourquoi cela? Parce que tu as dit que si mon peuple, ceux qui m'ont été invoqués, s'humilient et cherchent ma face, qu'est-ce que tu vas faire? Tu les exauceras des cieux. On vient sur la base de cela. On ne vient pas pour faire des bruits, pour se trouver seulement ensemble. Non, nous sommes déterminés, Seigneur, qu'en fait que tu es celui dont nous avons besoin pour changer notre état. Amen. Et quand on vient comme ça, c'est sûr et certain, il va le faire. Mon frère, ma soeur, je voudrais que vous compreniez, mais quand on va avoir des réunions, lorsqu'on aura prié, vous donnerez des témoignages. Parce que Dieu va le faire. Amen. Oui, il va le faire, parce que s'il nous parle comme ça, c'est parce qu'il veut préparer nos cœurs. Que nous comprenions, frère, que le temps est là pour que Dieu veut aussi agir en nous. Et pour cela aussi, nous devons aussi nous y mettre aussi dans l'action de Dieu. Je surveille le temps. Alors, regardez bien. Nous retournons dans ce qu'il a eu à pouvoir nous dire dans Jean chapitre 11. Là, oui, Jean chapitre 11. Alors, il dit. Et voilà qu'il dit ici. Voilà que. Verset 25. Il dit, je suis donc la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Bien même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je ne sais pas si vous avez fait attention. Vous avez remarqué une chose. Dieu est grand. Il parle ici à Marthe. Hein, et il lui dit une chose. J'aime Dieu, il est bon. C'est pour ça qu'il a une façon de parler. Si on ne fait pas attention, on passe effectivement aussi. C'est pour ça que le diable travaille pendant que la parole de Dieu est prêchée, pour que vous ne puissiez pas vraiment prêter attention. C'est son travail. Regardez ici. Regardez ici. Il dit ceci. Il dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Moi, la résurrection et aussi la vie. Donc je ressuscite, je donne aussi la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est moi qui fais ressusciter les morts. Et puis il dit, et moi aussi qui donne la vie. Celui qui croit en moi, j'aime Dieu, vivra. Vous entendez cela? Quand bien même, il est mort. Il dit, celui qui croit en moi. Mais Lazare a vécu en lui, frère. Marthe ne comprenait pas ce qu'il lui disait. D'abord, on lui a dit clairement, mais ton frère ressuscitera. Il dit, oh, au dernier jour, il dit, mais c'est lui qui croit en moi. Vivra. Quand bien même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi, soit sûr et certain qu'il ne mourra jamais. Amen. Donc, Lazare dort. Amen. Écoutez, maintenant regardez bien. Il dit ceci. Il dit, mais, et puis il lui dit, mais crois-tu cela? Vous avez remarqué bien, il a dit bien, il ne mourra jamais. Ça veut dire que toi, frère, toi, soeur, je parle bien de ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'aiment de tout leur cœur, effectivement, que pour eux, sans Jésus, ils ne peuvent pas vivre. Amen. Par les Jésus des églises, vous connaissez bien. Donc, sans Jésus, ils ne peuvent pas vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas que tu fais ça pour que les gens voient qu'il aime. Non, non. Dans ta vie, tu te dis, mais Seigneur, si toi, tu n'étais pas là, où est-ce que je serais? Ce n'est pas que je fasse des choses pour qu'on voit que je suis chrétien. Non. Je voulais te dire merci. Aide-moi que ma vie à moi puisse s'accrocher à toi, parce que je ne vois pas qui d'autre en dehors de toi. Si je te perds aujourd'hui, Seigneur, je n'ai plus rien. Parce qu'un jour, mon mari m'abandonnera. Ma femme m'abandonnera. Mes enfants m'abandonneront. Mes frères m'abandonneront. Dans les cercueils, j'irai toujours seul. Mais si toi, tu es avec moi, alors là, les choses sont différentes. Ça, c'est la chose que toi, sœur, toi, frère, tu dois avoir en toi, dans ta vie, à toi. Tu n'aimes pas Jésus simplement parce qu'il faut qu'il te fasse un mariage. Non! Parce qu'il faut donner un travail. Non! Parce qu'il faut une maison. Non! Je l'aime parce qu'il est mon Jésus. Alléluia! Il est mon sauveur.
pour lui, je donne aussi ma vie. Il a donné sa vie pour moi. Oui, pour qu'aujourd'hui je sois ce que je suis. J'étais un homme mort. J'ai une femme morte, effectivement. Mais maintenant je vis et je ne mourrai plus jamais. Amen. Alors il dit, effectivement, il dit, mais. Et puis il continue à parler de l'hémorragie. Il dit, mais crois-tu cela? Il a posé la question. Il dit, crois-tu cela? Regardez, frère et sœur. Et alors, effectivement, ici, elle lui dit, oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ah, vous avez entendu cela? Sa déclaration, non? Elle a déclaré, effectivement, poussée par... Tu vois, c'est que la parole a poussé tellement son cœur, son âme, ça a poussé tellement qu'elle a dit tellement... C'est dans son dit, Seigneur, je crois, je reconnais qui tu es. Maintenant, regardez. Pendant que... Elle aussi, maintenant, verset 28, ayant ainsi parlé... Elle donc s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » De que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et elle alla vers lui. Regardez bien, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait donc rencontré. Le juif qui était avec Marie dans la maison et qui l'a consolée, l'ayant vu s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où c'était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba donc à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Quelle confiance il pouvait toujours avoir dans cet homme de Galilée, malgré la calamité qui les a frappés, effectivement. Je me suis toujours dit, et vous savez, quand on lit cela, j'ai dit, mon sauveur béni, ces deux sœurs pouvaient s'emporter contre toi. Parce qu'elles t'ont reçu avec beaucoup d'allégresse dans leur maison. Ils sont préoccupés à pouvoir préparer pour toi, prendre soin. Maintenant, leur frère, leur amour est tombé malade. On sait que tu as la puissance de guérir. Ils t'ont envoyé chercher. Tu n'es pas venu. Tu es resté jusqu'à ce qu'il meure et puis qu'il pourrisse. Si c'était vous et moi. Regardez, j'ai dit, frères et sœurs, Dieu nous instruit beaucoup si on peut prendre attention. Vous vous souvenez de la femme syrophénicienne? C'est quelque chose qui me marque beaucoup. La manière dont le Seigneur a réagi à son endroit et les disciples aussi. C'était des personnes qui étaient dans le droit de pouvoir dire, mais ce n'est pas un Dieu celui-là. Ce n'est pas un sauveur. Celui-ci, un Messie que tout le monde doit arriver. Ce n'est pas possible. Mais répondre comme ça. Et puis, il pouvait dire aussi, mais c'est Dieu vraiment. Nous l'avons demandé, nous l'avons prié. Et il n'est pas venu. Nous étions avec lui, évidemment. 4 jours après que notre frère est pourri, il n'y a même pas d'espoir. Et il vient. Qu'est-ce qu'il va venir faire? Si c'était moi, on dit, bon, c'était vous, pardon. On dit, bon, le frère est venu pour voir. Et vous pouvez lui donner une chaise, il va s'asseoir là-bas. On dit, mon frère, la sœur dit, ah, la sœur dit qu'elle a tout elle est tellement triste, mon frère. Elle pleure son mari, elle est encore dans la chambre. Parce que le problème, c'est que c'est comme ça que vous agissez, vous frères et sœurs, vous ne voulez pas voir, par exemple, l'homme, parce qu'il dit, vous dites que j'ai adoré, il est dans le coin de la chambre, effectivement, et la personne reste à attendre dehors. Parce qu'il ne vous voyait pas, il dit, bon, dites-lui simplement, j'étais passé pour dire bonjour. Mais c'est parce que vous n'avez pas voulu le recevoir. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose contre la personne. C'est sûr et certain. C'est là aussi que nous observons qu'est-ce que c'est que notre chrétienté. Parce que quand on dit qu'on est chrétien, que quelqu'un t'a pincé ou quelqu'un a eu à pouvoir te tirer les cheveux, la décision, je ne vais pas le rencontrer, je ne vais pas lui parler, je ne vais pas lui dire quelque chose, je ne vais pas essayer cela. Ça montre quoi en fait? Ça montre qu'effectivement, que, en rapport avec votre conversion, vous avez un problème. Mais c'est d'ailleurs pour ça que Dieu a fait de toi un chrétien. Tu pensais que Dieu t'a fait chrétien pour que tu sois en bon terme avec tout le monde. Il dit, je suis venu apporter l'épée. Vous oubliez beaucoup. Ne t'attends pas que tu t'entendes toujours avec tout le monde. Non, c'est pour ces gens-là qui ne t'entendent pas avec toi que Dieu t'a choisi aussi. Pour leur montrer que moi, je suis un fils de Dieu. Tu me détestes, moi je t'aime. Tu ne veux pas me voir, moi je vais te voir. Ah oui, je ne peux pas changer ma nature. Si tu ne veux pas me dire bonjour, moi je t'embrasse. C'est pas que c'est une formule qu'on dit, mais c'est quelque chose de vrai. Mon frère et ma soeur, Dieu veut que nous soyons la lumière sur la terre.
Nous ne devons jamais embrasser les œuvres des ténèbres. On doit montrer à ces gens-là que tu es dans les ténèbres. Moi, je vais te montrer que même si tu m'as fait du mal, mon cœur t'aime toujours. C'est cet amour-là que tu as pour cette personne-là qui va les ramener un jour à Christ. Bien sûr que oui. Et voilà que Marie qui vient aussi avec, la Bible dit, elle se jeta au pied. Nous manquons beaucoup de respect, frères et sœurs. C'est notre langue. Et la langue que nous avons, c'est un véritable poison, un venin mortel. Quand nous l'utilisons mal, nous le détruisons d'abord nous-mêmes, et nous détruisons aussi les autres aussi. C'est de langue qu'on t'a donnée par le Seigneur. Ce n'est pas pour critiquer un frère, pour parler du mal, pour maudire, mais c'est pour bénir. Avec la langue, pour prier Dieu aussi. Priez pour ceux qui vont maudire. Traite effectivement ce qu'il a dit, non. Bénissez ceux qui vont maudire. Ce n'est pas vrai. On ne t'a jamais dit qu'il faut maudire ceux qui vont maudire, ça. Mais vous changez parfois la parole parce que. Je ne vis pas le tout, je vais qui vit même pas mal. Non. Bon, gloire à Dieu, je dois quand même avoir le temps de pouvoir. Oh, alléluia. Que Dieu me donne un peu le temps de respirer un peu pour voir comment je vais m'approcher de la personne. C'est pas ça que Dieu t'a dit. Ah oui, mon frère et ma soeur. Vous savez, il y a quelque chose qui frappe et qui a toujours frappé les gens. C'est quand il était là à la croix de Golgotha, on l'a frappé, on l'a flagellé, on l'a lacéré les doigts, effectivement, on l'a même crucifié, on l'a craché dessus. Vous savez ce qu'il a dit? Mais avec un cœur sincère, il dit, mais Père, pardonne-leur à tous les pharisiens, à tous les sadducéens, à tous les romains, à tous ceux-là, il dit, mais pardonne-leur ce qu'ils font, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai, et c'est... Quand quelqu'un a beaucoup d'amour dans son cœur, vous me suivez, vous me regardez ici parce que vous allez partir chez vous. Quand quelqu'un a beaucoup d'amour dans son cœur, cette personne, il ne garde jamais rancune. Oui, ça. Testez-vous. Si vous avez Christ dans votre cœur, jamais vous ne pouvez avoir la rancune à la main de quelqu'un. La personne peut vous faire du mal. Vous savez ce que vous avez dedans dans votre cœur? Le pardon. Il y a l'amour ici. Ce n'est pas une formule, frère et sœur. Mais ce que vous devez savoir, si vous êtes un fils de Dieu, ça doit se trouver en vous. Et il y a ici l'amour, et il y a le pardon. N'est-ce pas qu'on dit que l'amour fait quoi? Qu'est-ce que fait l'amour? Ah oui, il ne va pas révéler les péchés de ton frère, de ta sœur. Qu'est-ce qu'il fait? Il le couvre. Parce qu'il cherche simplement de pouvoir approcher la personne. Mais quand tu n'as pas l'amour, effectivement, tu dévoiles tout. Il a fait, je l'ai rentré. Là, lui, je l'ai vu là-bas, il était dans le coin. Ah, si vous saviez quel frère il est. Est-ce que vous comprenez? Oui, je pouvais aussi me trouver dans ces situations. Qu'est-ce que j'attendrais? Que la soeur ou les frères parlent de moi comme ça? Donc, ils s'approchent de moi. Pour simplement me parler. Ah, frère, là, peut-être que je ne savais pas. Oh, pardon, pardon. Et il ne fallait pas sombrer. Oui, c'est ça, en fait. Donc, nous avons besoin de pouvoir avoir beaucoup d'amour pour les uns, pour les autres, effectivement. Et c'est là que Dieu va travailler, effectivement, c'est dans notre cœur. Alors, nous continuons ici. Il dit, et Marthe, qui nous avons dit le respect, l'amour, la considération, n'est-ce pas vrai? Donc, dans Jean, donc, au chapitre 11 que nous avons lu. Alors, il dit, les versets suivants, il dit, nous avons tourné la page. Oui, c'est cela, oui. Oui, voilà, c'est ça. Nous étions par verset 32. Lorsque Marie fut donc arrivée là où était Jésus, et qu'elle vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient donc venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Ah. Ah là 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 là. Bon, on dit peut-être que bon, quand il a posé la question de démocratie, c'est pour aller voir simplement le cimetière. Mais une telle question, ça secoue l'intérieur. Parce que quand il pose la question, on sent l'autorité. On sent effectivement qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Il dit, mais où Verset 34, et où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et Jésus pleura. Il était un homme. Ah oui, perdre quelqu'un qui vous a aimé, c'est cela. Hein?
hein, qui était là, hein, qui vous a respecté, qui a pu avoir foi en vous, bien sûr. C'est quelque chose, c'est quand même de très douloureux de perdre quelqu'un comme ça. Et puis il dit, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait, c'est vrai. Et quelques-uns d'entre eux dirent, mais lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne veut-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Vous savez, frère, c'est toujours ça. Oh, mais frère, tu as prié quand même, mon avis. Mais le Seigneur sait pourquoi il a permis cela. Nous regardons toujours mal, effectivement. Quand nous prions, dit Seigneur. Et lui-même, si nous avons le temps, parce que je vais m'arrêter maintenant, parce que nous allons rentrer. Et lui-même, il dit, mais je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que, je peux vous dire, Jean 8, effectivement, et Jean 12. Je ne fais que ce que mon Père me montre pour pouvoir voir. Tu ne peux pas venir là, je dis, parce que, par exemple, l'aveugle ici, il pouvait ressusciter tout le monde, vous comprenez? Bref, bon. Il est Dieu, parce que nous, on veut dire, mais frère, il faut que... Non, Dieu sait pourquoi, avec celui-là, c'est comme ça, parce qu'il y a un travail que Dieu fait. Dans la personne. Alors, nous continuons ici. Alors, il dit, verset 2, il dit, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meure point? Et Dieu savait ce qu'il faisait, parce que si on suit tout ce que les gens veulent qu'on fasse, on va commettre beaucoup d'erreurs, on va faire des catastrophes, effectivement. Bien sûr, c'est cela, parce que si on ne suit plus la voix de Dieu, on suit la voix des hommes, alors c'est la fatalité. Après, alors, du coup, il dit, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu donc au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Vous suivez? Vous suivez, mon frère? Écoutez très bien. Il dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Merci Seigneur. Écoutez bien, frères et sœurs, ça c'est tellement important. Marie est venue. Parce que vous avez remarqué une chose. Quand on a lu l'écriture, je veux que vous puissiez bien suivre cela. Je vais vite. Voilà. Ici, au verset, je pense que, verset 28, il dit, lorsque Marthe a fait sa déclaration, vous vous souvenez, non? C'est Marthe qui dit, Seigneur, si tu as dit, verset 27, il lui dit, elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Parce qu'il a dit ici, verset 26, vous vous souvenez, non? Crois-tu cela? Il dit, crois-tu cela? On dit, elle répondit comme ça. Verset 28, il dit, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Donc, Marthe est partie. Vous vous souvenez? Elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et alla vers lui. C'est maintenant Marie qui parlait avec le Seigneur. Est-ce que vous suivez? C'est nécessaire. Et voilà qu'effectivement, que, on dit que quand Jésus n'était pas encore entré dans la misère, dans le lieu où Marthe l'avait par rendu rencontré. Voilà, c'était là. Et puis ici, on voit que verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit et tomba donc à ses pieds, et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. N'est-ce pas vrai? C'est maintenant qu'on entend, maintenant, il pose la question, verset 34, mais où l'avez-vous mis? Maintenant, le verset 38, on nous dit, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu donc au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Maintenant, regardez bien verset 39, on lit. Jésus dit, ôtez la pierre. Et vous voyez qui est à côté de lui? Pas Marie, hein? Non. Vous savez qui est à côté de lui? On nous dit ici, effectivement, Marthe, la sœur du mort. Parce qu'elle était partie, non? Pour aller parler à Marie. Et puis on voit effectivement la Marie qui a parlé avec lui. On peut dire, Marie est intéressée avec lui pour qu'il parle avec lui. Tu es. Mais ici, c'est Marthe, effectivement, nous voyons dans le Seigneur, Marthe, la sœur du mort, qui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Écoutez, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'est-ce pas vrai? Alors je vous pose la question, à quel moment le Seigneur a dit à Marthe que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce qu'il ne t'ai-je pas dit? C'était un Marthe, il n'était pas Marie, il dit à Marthe, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? À quel moment lui a-t-il dit cela? Parce qu'il n'a pas dit, je te dis maintenant, non, dit, mais ne t'ai-je pas dit? À quel moment il lui a dit? À quel moment il lui a dit? Il lui a dit, ton frère
ressuscitera. Alléluia. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit moi, même après, même si quelqu'un est mort, il ressuscitera. Il dit, mais crois-tu? Oui. Il fallait comprendre ce qu'il disait à Marthe. Marthe devait comprendre que là, mon frère va sortir aujourd'hui. Qui lui a dit, n'étais-je pas dit? Parce que tu as déclaré, oui, je le crois, Seigneur. Mais tu croyais en quoi? Je te l'ai dit que celui qui croit en moi, même s'il est mort, il ressuscitera, il vivra, bien sûr. C'est là qu'il lui a dit. Marthe devait prêter attention, il dit, mais aujourd'hui ton frère va ressusciter. Il devait comprendre, il lui a fait des questions, même s'il est mort, oh frère, il va ressusciter. C'est pour ça qu'il dit, mais ôtez la pierre, c'est l'avenir. Bien sûr, mon frère et ma soeur, nous devons bien écouter ce que le Seigneur nous dit. Nous ne devons pas nous laisser comme étant notre propre prédicateur ou prophète de nous-mêmes ou pasteur de nous-mêmes, frère. Ça nous détruit. Tu te prêches à toi-même, tu n'avanceras jamais. Tu crois en toi-même, tu n'avanceras jamais. L'Écriture dit, maudit est quiconque se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme, se confie dans l'homme. Tu te confies en toi. C'est tout ce que moi j'aime. Frère, quand tu deviens ton propre prédicateur à toi, ça c'est un problème. C'est pour ça que tu n'avances pas dans la foi. Bien sûr. Moi, je ne suis pas prédicateur de moi-même. Jamais, frère. Si je commets cette erreur-là, je vous amène dans la mauvaise direction. Ah oui, j'ai besoin d'être instruit, de croire aussi. Oui, bien sûr, monsieur. Ah oui. Oui. Le grand problème avec les grands hommes que vous êtes, effectivement, vous êtes arrivé à un certain moment. Paf! Et maintenant, même quand on prêche la parole de Dieu, vous vous prêchez vous-même. Je crois que les frères ont fait une erreur là-bas. Je crois que les frères ont dit, non, maman, c'est parce qu'il a la brochure, là, ceci et cela. Vous pensez que Dieu ne sait pas ce qu'il fait? C'est normal qu'on prie pour vous, ça ne change pas, parce que vous approchez pas de la bonne manière. Même si vous venez, vous donnez l'impression que vous avez du respect, vous croyez, mais vous ne croyez pas, frères et sœurs. J'ai dit, mais pourquoi quand je vais à l'étranger, des grands miracles se font? C'est vrai, les aveugles recouvrent la vue. Les malades sont guéris, mais c'est vrai, frère. Oui. Et alors pourquoi? Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont la foi. Ils ont du respect, ils ont la confiance. Oui, vous avez le respect, vous avez la foi, mais jusqu'à une certaine limite. Parce que vous approchez de l'homme, vous le touchez, vous parlez avec l'homme. Et bien sûr, ce serait quand même mieux peut-être de pouvoir dire, bon, maintenant personne tout près. Maintenant vous êtes. Quand vous ne voyez pas la personne, ça change. Mais le fait de pouvoir le voir, ça fait autre chose. Mais le Seigneur ne s'est pas caché. Il s'est toujours laissé, effectivement, approcher des hommes, effectivement, ainsi, c'est comme ça. On ne va pas être comme des couvents ou des. Peut-être qu'ils vont s'enfermer dans un couvent. Non, mais il a vécu avec les hommes sur la terre. Tout est question de ce que vous avez à l'intérieur. Pourquoi cette femme, effectivement, pouvait venir se jeter à ses pieds et d'autres se battaient la poitrine, mais qui es-tu? C'est par Belzébul. Et une autre se jette à genoux, à ses pieds. C'est une différence, là. Chose qui était chose. Et pourtant, le Seigneur lui avait déjà parlé avant. Que ce que tu penses que c'est impossible, je te dis maintenant, que moi ici, vous écoutez les choses de Dieu, vous écoutez mal en fait. C'est la manière dont vous entendez effectivement, vous, avec votre propre interprétation, comme il a eu à pouvoir avoir ça dans sa tête aussi. Le Seigneur lui parlait clairement. Ton frère va ressusciter, il envoie l'arbre futur tellement lointain. Il dit non, je suis. Puis il dit je suis. Mais c'est comme s'il n'entendait pas. Il dit, mais c'est lui qui croit en moi ici, même s'il est mort. Vivra! Je devais comprendre que mon frère Lazare, même s'il est pourri, il va sortir. Tandis que Marthe serait là, de dire, alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur est vivant, il est revenu, il va agir, gloire à ton sort. En fait, ça devait être la personne qui allait réveiller les gens autour de ce pays. Réveiller les gens, c'est-à-dire que j'étais la joie dans le cœur des Juifs qui étaient vivants, hein, pas les morts quand même. Hein. Hein, parce que vous allez penser qu'elle allait réveiller des morts. Non. Mais des gens qui étaient là, qui étaient un peu semblés, un peu s'endormis comme ça, qui avaient l'homme selon la chair, disaient, mais il a pleuré, ah, il ne peut plus. C'est-à-dire qu'il a la fête. Mais frère, nous sommes tous des hommes.
Mais quand l'esprit rentre, ce n'est plus l'homme. C'est différent. C'est là que nous nous trompons, c'est là que nous ne comprenons pas les choses effectivement ici. Alors, chose qui était impossible, ne peut même pas effleurer son esprit à lui. Il a dit, Seigneur, il sent déjà. Et ça, ça n'a pas fait bouger le maître. Vous pouvez dire, ah oui, c'est vrai, il sent. Bon, il faut qu'on mette encore un peu, on va encore l'embaumer peut-être encore plus. Non, il dit ici, moi je n'embaume personne. Non. C'est vous qui embaumez, moi j'embaume pas. Mais c'est vrai cela. Quand elle a dit ôter la pierre, et les gens se disaient. Non, en tout cas, je termine dans la. En tout cas, tous les juifs qui étaient là, qui étaient venus vers, avec Marie, effectivement, tous ces juifs, tous ces hommes-là, ils disaient, même dans le même profond subconscient, jamais une chose pareille pouvait être touchée. Vous ne pouvez pas penser que ça pouvait se faire. D'ailleurs, c'est impossible. 4 jours, donc, en plus, il sent mauvais. Il veut faire quoi? Il va aller voir là-bas dans le tombeau? C'est ça que nous devons comprendre, effectivement, que quand il dit, nous l'avons lu, dans le psaume qu'il a lu, non? Quand il dit, la chose arrive, lorsqu'il ordonne, elle doit exister. Nous le citons, mais nous ne le croyons pas. Alors là, il fait quoi? Il dit, mais ôter la pierre. Et quand on a ôté la pierre, j'ai toujours aimé cela, parce que nous l'avons déjà entendu ici. Et j'ai dit, il est vraiment sage. Et ça donne envie de sauter, frère. Moi, pas vous. Moi, ici. Et j'ai dit, si je commence à sauter ici, j'aurai de l'espace assez. Bon, il n'y a pas de problème. Ah, vous ne voyez pas, mais je suis au gloire à Dieu. Frère, vous vous rendez compte? Quelle profondeur de la sagesse divine de Dieu, frère. Avec l'autorité qu'il a, tous les morts devaient se ressusciter, frère. Tous, ils devaient sortir. Au dernier des frères, ils ont dit, mais frère, même ceux qui ont été brûlés, consumés, au dernier jour, ils vont venir à la vie parce qu'ils doivent être jugés. Et c'est à ce moment-là qu'il ne va pas les faire sortir. Non, frère, il dit, mais il va les faire sortir. C'est vrai que... D'abord, vous pouvez voir qu'effectivement, que tous ceux qui étaient dans les seins d'Abraham, ne sont-ils pas sortis? Oh, papa, il est bon. Mais il n'était pas venu pour réveiller, pour ressusciter tous ces morts-là, dont monsieur était venu pour une seule personne. Ah, il est bon, notre Dieu. C'est pour ça que vous savez, il a simplement crié. Lazare! Il n'a pas crié. C'est pas moi qui ai entendu. Non, il n'a pas crié d'autres noms. Ni d'autres noms. Parce que je crois que comme. Vous savez, il est tellement puissant que pendant que c'était là, toute la terre tremblait. Ça veut tout tourner cimetière. Il a commencé à pouvoir trembler. Avec les sépultures, ça tremblait. Mais frère, il a une puissance extraordinaire. C'est Dieu. Donc ceux qui étaient là, il dit nous aussi. Non! Il dit, Lazare, Dieu, que c'est les amis, toi, reste là, mais Lazare, dit, alléluia. Il dit, toi, en prison, sors, Lazare. Il dit, gloire à Dieu, il est venu, comme Job, vous vous souvenez? Alléluia. Mon frère et ma soeur, que le Seigneur nous accorde la grâce, qu'il vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, c'est avec reconnaissance que nous inclinons devant ton trône de grâce. Réalisons combien nous entrons dans les choses qui sont tellement si importantes et puissantes pour nos pères. Ô Dieu, en tant qu'un peuple qui t'appartient, nous te sommes reconnaissants. Puisses-tu davantage nous conduire encore à nous éclairer, mon bien-aimé Père, ô Dieu, parce que nous voulons avancer avec toi, nous voulons être éclairés par toi, nous voulons être enseignés de toi, mon sauveur. Oh, ta parole à toi est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, mon sauveur. Nous voulons être abreuvés de cette source, mon bien-aimé, Père Tissant, Dieu. Oh Dieu, nous voulons vraiment être abreuvés, Père Tissant, Dieu, de cette eau qui sort toujours du rocher, comme nous l'avons entendu, mon bien-aimé, Père Saint Dieu. L'eau toujours présente du rocher. Sois béni encore ce soir, mon bien-aimé, Père Saint Dieu. Introduis encore dans les choses que toi, tu veux que nous puissions y entrer, mon bien-aimé, Père Saint Dieu, et avoir foi et confiance en toi, mon sauveur. Garde ton peuple encore aujourd'hui, mon bien-aimé, Père Dieu. Soutiens-les alors que nous sommes venus encore dans ces jours de réunion, mon bien-aimé, Père Tissant. Béni chaque frère, béni chaque soeur, désiré de pouvoir prendre part à cela. Souviens-toi de mon frère Marcel, souviens-toi de ma soeur Marlene, avec leurs enfants aussi, Père Tissant là-bas, qui est fait dans l'Allemagne, Père Tissant, mon frère Bernard, sa femme. Seigneur, je te remercie parce que tu remets les dieux qui le soutiennent, qui le fortifient, mon Père.
Mon âme, tu loues et tu glorifies encore, bénémoine et Père Saint-Dieu, pour ce que tu fais. Seigneur, nous croyons en toi, nous avons confiance que pendant cette période, pendant ce temps, tu vas vraiment agir parmi nos pères, aider, soutenir Père Tubissant, guérir encore davantage, Moira, et délivrer Père Saint-Dieu, et nous aider encore davantage, Père Tubissant-Dieu. Ah, nous te remercions pour te bien faire, pour te offrir. Gloire te soit rendue encore, mon Père Saint. Merci pour ce que tu fais. Gloire à toi et honneur à toi pour ton amour et ta bonté. Merci, Père. Continue d'agir et continue de pouvoir encore conduire encore ton peuple. Merci pour tout. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, Père. Merci. Seigneur, toute résistance, Seigneur. Ôtez, Seigneur, l'incrédulité, notre Dieu, afin, Seigneur, de pouvoir te laisser agir pleinement dans nos cœurs, notre Dieu. Merci pour ton serviteur, Père. Bénis encore la parole que nous avons reçue ce soir, mon Sauveur. Soutiens-nous, Père. Conduis-nous, notre Dieu. Éclaire-nous chaque jour de notre vie, mon Sauveur, afin de pouvoir marcher, Seigneur, à la clarté de ta lumière, notre Seigneur. Oh, si nous vivons aujourd'hui, c'est parce que toi, tu nous éclaires encore aujourd'hui, notre Dieu. Soutiens-nous, Père, fortifie-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, notre Dieu. Seigneur, merci, mon Sauveur, parce que tu es celui qui nous secourt, qui nous soutient, Seigneur, dans les combats. C'est toi qui exerces nos mains, Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui nous soutiens, Père, qui nous fait marcher. Oh, Père, et fais concourir, mon Sauveur, chaque territoire, Seigneur, mon Dieu, sur lequel l'ennemi a voulu réellement prendre possession, mon Sauveur. Seigneur, nous te remercions, notre Dieu, parce que réellement, tu nous prépares, mon Sauveur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Tu nous armes, mon Sauveur. Tu nous réveilles réellement de force et de courage, mon Sauveur. Sois béni, notre Dieu. Que ton nom soit béni, mon Sauveur. Que ton nom soit exalté, Seigneur, pour ce jour, notre Seigneur. Sois loué, sois béni, sois glorifié à jamais. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et remercié, Père. Alléluia. Amen. Alors que nous sommes en prière, j'ai reçu un mot de notre frère Marcel Hué de Krefeld qui demande que nous puissions prier pour son petit-fils. C'est le fils de notre sœur Esther de... Attendez, je vais... C'est le fils... Voilà, donc c'est Damian, donc le fils de notre sœur Sarah de la Hollande. Il dit si nous pouvons penser à lui dans nos prières, car il est somnambule, que le Seigneur puisse vraiment le délivrer et afin qu'il soit en bonne santé. C'est notre frère Marcel de Krefeld. Oui, notre frère Robert demande également que nous puissions avoir une pensée pour sa sœur qui est en Afrique et qui est hospitalisée. Il croit réellement que le Seigneur est capable de pouvoir la guérir. Prions pour la sœur de notre frère Robert et aussi pour Damian, le fils de notre sœur Sarah de la Hollande. Prions le Seigneur.
Tendre Père Céleste et notre Dieu, nous venons devant toi, Seigneur, avec autant de confiance, mon Sauveur. Seigneur, comme nous l'avons entendu encore ce soir, notre Dieu, ce ne sont pas des paroles qui sortent de nos bouches simplement, mon Sauveur, mais c'est une conviction, mon Sauveur, de ce que toi, notre Père, tu es capable de pouvoir guérir encore aujourd'hui, Seigneur. Ce que tu promets, notre Dieu, tu le réalises, mon Sauveur. Accorde la grâce, mon Dieu, mon Roi, que réellement Damien soit délivré. Seigneur, que ce démon de somnambulisme, mon Sauveur, puisse se quitter, Seigneur Jésus, qu'il soit délivré, qu'il soit en bonne santé, Père. Oh, ta parole est certainement la vérité. Qu'il soit réellement délivré, Seigneur, Seigneur, qu'il puisse, oh Père, avoir des sommeils paisibles, mon Sauveur. Dormir comme tout autre enfant, mon Sauveur. Il n'y a que toi qui puisse le faire, Seigneur. Satan n'a aucun pouvoir, Seigneur, dans sa vie. Nous croyons réellement que ce que tu dis, tu l'accomplis, mon Sauveur. Que Damien soit délivré, qu'il soit en bonne santé, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père, souviens-toi aussi de la sœur de notre frère Robert, mon Sauveur. Là où il est, en Afrique, mon Sauveur, tu es capable, mon Sauveur. Ta main n'est pas courte pour agir, Seigneur, ni pour délivrer, mon Sauveur. Que sa sœur qui est hospitalisée, peu importe la maladie, mon Sauveur, toi, tu l'as déjà guérie, mon Sauveur. Qu'elle soit délivrée aussi, Seigneur, et qu'elle soit en bonne santé. Accorde-lui aussi la guérison, notre Dieu. Tu es fidèle, mon Sauveur. Ce que tu promets, tu réalises, mon Sauveur. À cause de la foi de notre frère Robert, mon Sauveur, tu es aussi capable de délivrer sa sœur, mon Sauveur. Nous, nous l'avons entendu par la bouche de ton serviteur, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu, tu es capable de pouvoir la guérir, Seigneur, rien qu'en voyant la foi de notre frère Robert et aussi notre foi, mon Sauveur. Qu'elle soit délivrée et qu'elle soit en bonne santé. Pour la seule gloire de ton nom, nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour une année de plus qu'il a accordée à notre sœur Dorine hier et aussi notre sœur Virginie à qui le Seigneur a ajouté aussi une année de plus. C'était hier. Que le Seigneur soit réellement béni. Aujourd'hui, c'est notre sœur Dorcas. Que le Seigneur puisse également la fortifier. Prions notre Père. Tendre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons encore une fois, avec autant de reconnaissance, Seigneur, te remercier pour ce que tu as fait pour notre sœur Dorcas aujourd'hui, Seigneur. Je te remercie, Père, parce qu'en la voyant, nous pouvons réellement, Seigneur, te glorifier de ce que toi, tu es encore merveilleux aujourd'hui. Seigneur, ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, oh, aucun homme ne peut réellement le faire, Seigneur. Seigneur, merci pour cette année de plus que tu as accordée à notre bien-aimée sœur Dorcas aujourd'hui. Soutiens-la, Père, fortifie-la. Tu sais combien elle a besoin de toi. Seigneur, qu'elle soit fortifiée, affermie, relevée, soutenue, protégée, Père. Qu'elle soit dans le creux de ta main. Tu connais son amour, sa consécration pour toi, Père. Qu'elle soit gardée dans le creux de ta main, Père. Oh Jésus-Christ, mon roi, bénis-la davantage, mon Sauveur. Nous le croyons de notre cœur que tu le fais. Tu l'as déjà fait, notre Dieu. Augmente sa foi, Seigneur, et que ses yeux, sa foi, soient constamment toujours tournés vers toi. Tu le fais, notre Seigneur. Merci pour notre sœur Dorine aussi, Père. Bénis notre sœur Virginie aussi, mon Sauveur, à qui tu as accordé de plus hier, notre Dieu, qu'elle soit bénie, qu'elle soit fortifiée, qu'elle te soit consacrée, Seigneur, qu'elle te serve de tout leur cœur comme elles le font, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, bénis-les, protège-les, bénis leur famille, leurs enfants, Seigneur. Nous te remercions pour tes bienfaits. À toi seul soit la gloire, à toi la puissance, l'autorité à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons prié et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur soit béni. J'ai reçu également un mot de notre sœur Rosalie qui demande que nous puissions aussi penser à elle dans nos prières parce qu'elle va quitter Cape Town donc ce samedi pour, je crois demain, pour revenir vers Johannesburg. Elle a demandé que nous puissions prier pour elle pour que le Seigneur bénisse son voyage. Tendre Père Céleste et notre Dieu, encore une fois, c'est avec confiance, Père, que nous voulons avoir une pensée pour notre sœur Rosalie, Seigneur, qui est à Cape Town dans ces instants. Seigneur, alors qu'elle va retourner, Seigneur notre Dieu, à Johannesburg, Seigneur notre Père, alors qu'elle va prendre, Seigneur, cet avion, elle se recommande, Seigneur, à nos prières, mon Sauveur, croyant réellement que toi, notre Dieu, tu entends, Seigneur, et tu exauces tes prières. Puisses-tu réellement la garder et la bénir, Seigneur mon Dieu, comme tu as été avec elle à l'aller, sois aussi avec elle sur le chemin de retour jusqu'à Johannesburg, mon Sauveur. Qu'elle soit protégée, gardée dans le creux de ta main, Seigneur. Sois avec elle pendant tout son séjour, notre Dieu. Nous te remercions pour tes bienfaits. À toi seul soit la gloire, notre Seigneur. À toi la puissance, l'autorité à jamais. Nous avons confiance en toi. Louange et honneur à toi, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Que le Seigneur nous soutienne et nous fortifie. Si telle est la volonté du Seigneur, nous nous retrouverons demain. Que le Seigneur nous bénisse. Levons-nous, nous allons prier.
Nous allons remercier notre Dieu pour ce premier jour et nous croyons réellement qu'il va encore faire des grandes choses. Le Seigneur est au contrôle, qu'il nous conduise et qu'il nous donne encore la force. À demain, Dieu voulant, prions notre Père. Tendre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons encore une fois te remercier, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ces réunions, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons réellement être unis d'un même cœur, d'une même pensée, Seigneur, ayant un même esprit, notre Dieu. Père, puisses-tu réellement nous conduire par le Saint-Esprit, mon Sauveur. Nous voulons, Seigneur, être éclairés chaque jour par toi, notre Seigneur. Père, nous te remettons aussi ton serviteur, notre pasteur, mon Sauveur, afin que ton Esprit Saint puisse aussi, Seigneur, le conduire et le guider, Seigneur, l'inspirer, mon Sauveur, afin que toutes les fois qui s'éteindront en cet endroit, pour réellement, Seigneur mon Dieu, nous parler de ta part, que toi seul tu sois au contrôle, notre Dieu. Puisse réellement le fortifier, Seigneur, le soutenir dans sa chair, mon Sauveur, parce qu'il a aussi besoin de toi, notre Dieu. Bénis, Seigneur, comme nous l'avons entendu aussi, tous les frères, Seigneur, qui ont besoin de venir aussi, se rassembler avec nous, notre Dieu. Puisses-tu leur frayer un chemin. Ouvre-leur la porte, mon Sauveur. Bénis chacun de nous, notre Dieu. Donne-nous du zèle, Seigneur, le zèle qui nous dévore dans ta maison, mon Sauveur. Consacre-nous à toi, Père. Nous voulons, comme nous l'avons entendu, Seigneur, mon Dieu, aussi être dans la prière. Sois ici, même dans nos maisons, Seigneur, que nous puissions persévérer dans la prière, notre Dieu, afin de pouvoir terminer cette année avec toi. Seigneur, merci d'avoir commencé ces réunions avec nous. Tu nous soutiens, tu nous soutiendras encore davantage. Et demain, quand nous reviendrons, Seigneur, pour te servir encore avec autant de zèle, nous le ferons pour la gloire de ton nom. Bénis chaque frère et chaque sœur, Seigneur, sur le chemin de retour, Seigneur, protège-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous arrivions à la maison. Père, la nuit même, quand nous serons endormis, éclaire-nous, Seigneur, parle-nous encore davantage dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci pour tes guérisons, merci pour les miracles que tu opères encore en cet endroit. À toi la gloire, la puissance, l'autorité à jamais. Merci pour la chorale, merci pour les enfants. Bénis tous nos frères qui étaient en connexion. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. La chorale.